Bonsoir à tous, merci de votre attention. Une déclaration de candidature à la présidentielle n'est jamais anodine et on lui prête un impact symbolique très fort. Jacques Chirac a choisi la spontanéité et la surprise aussi. Il n'était que quelques-uns à être dans la confidence. C'était donc en milieu de journée à Avignon. Regardez, c'est sans commentaire comme si vous y étiez. Jacques Chirac répond à une question. Elle est posée par la maire de la ville, Marie-Josée Roy. Depuis quelques jours, je ne peux pas faire un pas hors de chez moi ou de ma mairie, sans qu'on me pose la question. Et je crois que cette question, on se la pose partout en France. Le président va-t-il déclarer sa candidature? Alors, chère Marie-Josée Rouargue, je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat. Et j'ai voulu le dire au milieu des Français. Je participerai donc au grand débat qui est déjà engagé, un débat dont je souhaite qu'il soit digne et qu'il soit serein. C'est ce qu'attendent nos compatriotes. Je m'engage donc, je crois en la France, je connais et j'aime les Français, j'ai confiance dans leurs capacités et je suis sûr que tous ensemble, au-delà des idéologies, au-delà des préjugés, au-delà des dogmes, par le dialogue, et dans le respect de chacun, nous pouvons faire gagner la France. Et c'est pour cela que je suis candidat, heureux de vous l'avoir dit, et je vous remercie de votre accueil.